c'est l'heure, hein. Ce soir, avec vous, Stéphane Coquerin. Ouais. Isabelle Motreau. Ouais. Jean-Luc Lemoine. Ouais. Perry Cochin. Ouais. Christine Bravo. Ouais. Et Pierre Bénichoux. Ouais. Tu t'es désolidarisé. On joue au volleyball. Voilà, absolument. On ne parlait pas de sport, Jean-Luc ne s'est pas encore remis. C'est encore un mot cruel, sport, football, entraîneur yougoslave. Vous savez qu'être supporter du PSG actuellement, c'est considéré comme une pratique sadomasochiste. Et d'ailleurs, je vois que là-bas, il y a un adepte. Ah, oui, oui. Pourquoi ? Il a un maillot. C'est le maillot du PSG ? Ben ça, voyez, ça c'est un vrai supporter, quelqu'un qui porte encore le maillot. Non, c'est simplement que maintenant ils sont soldés les maillots. Vous allez bien, Stéphane Poquerin, belle chemise, je dois dire. Je vous remercie, Laurent. Ah, vraiment. Et moi, pas belle chemise ? Si, 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 je vois. C'est je dommage qu'il descende sous, c'est juste ça. Belle gorge même. Merci. Belle gorge. Voilà. C'est pour mon amoureux. Comment ça ? Ben, comme je veux pas le voir en vrai. Eh ben, je fais des petits striptease subtils à la télé. Ah, c'est subtil, ouais. Rendez compte, hein. Et vous, alors, c'est pour qui, Perry ? Moi, c'est pour mon voisin, pourquoi ? Non, aussi. C'est pour qui veut. Oh, dis donc ! C'est pas les seuls chez moi ! Quand je vois Perry, ça me fait penser toujours à cette devinette. Vous savez pourquoi les coqs n'ont pas de main ? Non. Parce que les poules n'ont pas de sein. J'ai un beau cadeau pour vous. Pas de photo du jour ce soir exceptionnellement. Mais en revanche, regardez cet album. Ce sont des dessins qui sont signés Vooch. Je vais vous en proposer une petite sélection. C'est un dessinateur vraiment qu'il faut connaître si vous ne le connaissez pas encore. Enfin, il est déjà très très célèbre. Chaque jour est une fête. C'est le titre de ce dernier album, collection de ses dessins publiés aux éditions du Cherche Midi. Et regardez, je vais vous en proposer quelques-uns parce qu'ils sont vraiment drôles. Je vous lis la légende parce qu'on ne la lit pas très bien. Mais vous voyez cette dame qui parle à cette petite fille qui manifestement est laissée chez sa nourrice et la maman lui dit « Maman a beaucoup de travail, elle reviendra te faire un bisou quand tu auras 18 ans. » Il y en a un autre. « Marcel, si tu m'aimes encore, remue ton gros orteil. » C'est terrible. Un autre, alors là on va dans le domaine du show business, regardez ce chanteur qui dit « Cette chanson parle de la difficulté de rester l'idole des jeunes quand on a 82 ans, du cholestérol, de l'arthrose et un anus artificiel. » Oh, c'est magnifique. Et là ça se passe chez Perry Cochin, ça pourrait être Perry qui parle à son mari et elle lui dit « Cette bonne est totalement insensée. Les 75 000 euros que j'ai posés ici hier soir, pouf, disparu. C'est la troisième fois cette semaine. Pierre, ça vous plaît ou pas ? C'est extraordinaire, j'aime beaucoup le dessin, mais je trouve les légendes nulles. Mais non, pas du tout. Premier degré à mort, quoi, je veux dire, oui. Ah non, ah oui, c'est un vieux qui dit c'est dur d'être l'idole des jeunes. C'est pas inattendu du tout. Ah mais vous êtes fou. Une mère assez méchante qui dit je reviendrai quand tu auras 18 ans. Mais là, il a compris. C'est le contraire de l'humour. Ah non. Tu vois, c'est comme toi, là, t'es bien habillée, mais là, ce que tu dis. Ah non, je trouve ça d'une subtilité alors. Par exemple, celui-ci, c'est une maman qui parle à sa fille. Elle dit « Ton père était quelqu'un de remarquablement rapide. Il m'a quitté quand tu avais 2 secondes. » Ça vous fait pas rire, ta chère. C'est fou, ça. Moi qui suis enceinte d'une heure, je la comprends. J'en ai encore d'autres. Regardez ces sangliers. Ils sont là, ce couple de sangliers au milieu de la forêt. Il y en a un qui dit à l'autre. Mais enfin, Béatrice, tu t'attendais à quoi exactement ? Un réveillon dansant sur les Champs-Élysées ? Ça, c'est plus subtil. C'est drôle. Non, c'est très bon. C'est très... Mais je trouve que ça fait presque penser à l'univers de Sampé, vous savez, avec ses petites... Alors justement, Sampé, c'est toujours décalé. C'est toujours le contraire de ce qu'on croit. Ben, c'est très décalé, là aussi. Celui-là est drôle, mais les quatre premiers, non. Oh. Mais qu'est-ce que t'as, grognoir ? Mais je voudrais rire. Alors, je vous en propose un autre encore. Allez, tenez, prenez celui-ci, par exemple. On voit une dame devant la tombe et elle dit « Ma grande consolation, c'est de penser que je perturbe ton silence. D'ailleurs, je vais faire le maximum pour repasser en fin d'après-midi. » C'est très bon. Allez, un dernier pour la route. Regardez ces deux tortues.
Et bien, il y en a une qui dit à l'autre, « Comment ça, un petit problème passager, Georges? Tu ne m'as pas touché depuis 143 ans. » Ça, c'est vraiment... Ça, c'est Sylvie et Butch. Et franchement... c'est un très bel album parce que les dessins sont très soignés et très drôles. Absolument. Pierre Bénichoux, ben oui, je vous l'offre. Merci. Depuis quelques temps, quelques années, on le sait, poser nu pour des calendriers est devenu une mode. On connaissait depuis longtemps déjà les calendriers avec des pin-ups. Il y a eu les rugbymen depuis maintenant 4 ou 5 ans. Des pompiers aussi s'y mettent et puis aussi des commerçants dans certaines villes. Là, nous avons un artiste peintre jurassien qui a un peu dépassé les bornes selon la municipalité pour laquelle il devait travailler. On n'a pas l'habitude dans cette émission de censurer quoi que ce soit. Mais notre tolérance a des limites. Ce monsieur, qui s'appelle Gojo, a fait un calendrier. Et qu'a-t-il peint nu sur son calendrier les enfants qui nous regardez, bouchez-vous les oreilles, le Père Noël. Oh, c'est pas beau. Oui, le Père Noël tout nu. Alors que les choses soient bien claires, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, tu dois t'habiller. C'est en tout cas le message que la municipalité a fait passer à cet artiste, puisqu'il a été censuré par la mairie de Villers-Farlay, son village, à cause de ce calendrier qu'il a voulu exposer devant la mairie. Très vite, suite à des plaintes d'habitants de son village, le calendrier a été hélas retiré. Mais nous, nous assumons et nous invitons, car la censure ne passera pas, on a tout essayé, nous invitons Gojo. On a le droit chacun à notre calendrier 2015. C'est sympa, alors. Merci. Avec les Pères Noël tout nus. Voilà ce qui a choqué dans un village, donc. Et ce qui fait que notre artiste peintre ici invité... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le public? C'est super! Sérieusement, vous avez dû vraiment les retirer de devant la mairie. Alors, ils étaient plus grands devant la mairie, évidemment. Oui, oui. C'était, il faisait 2,50 m, il y en avait 12, quoi. C'était un vrai calendrier. Et c'est la mairie qui vous les avait commandés? Non, 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 c'est moi qui participais à un marché de Noël. Donc j'ai décidé de faire des calendriers. Mais à l'extérieur, je voulais annoncer le marché de Noël, donc j'ai fait un grand calendrier. Mais vous aviez l'autorisation de les poser devant la mairie? Ah oui, oui, on avait prévu de faire une déco, quoi. Mais on n'avait pas dit que c'était nu, de toute façon. Ah! Ah ben non! Ah! Vous n'aviez pas prévenu, monsieur le maire? Non! Ah ben, on a dit qu'il y avait une déco. Ah. Ah. Où il se trouve votre village exactement? C'est un endroit, non, c'est dans le Jura, à Villers-Farlay. Ah, ah bon? Ouais. Et les Jurassiens sont un peu frileux, si j'ose dire. Et... Ah bah. Ouais, bah non, mais les enfants disaient, oh, il doit avoir froid aux fesses, le Père Noël, c'est sûr. Mais, sinon, certaines personnes qui ont été interviewées disaient que c'était des monstres. On aurait dit des putes qui étaient sur le trottoir. Qui vous a fait retirer le calendrier? Bah, la mairie. Et puis mais la mairie sur pression de qui? Ah ça. Enfin. Quoi? Bah, moi, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est un grand film. C'est formidable, que c'est très drôle, que c'est bien, ça va. Il est bien évident que c'est fait pour choquer. T'es maire d'un petit village du Jura, si les maires des petits villages du Jura, maintenant, me montraient des Pères Noël à poil, le pays serait pas ce qu'il est. Ça serait autre chose. Mais c'est évident. Bon, ben j'en vais, alors. Mais c'est évident que c'est choquant, c'est pour ça que c'est une œuvre d'art. Mais Pierre, comme Thomas, à l'intérieur des mairies, on peut bien mettre un Père Noël à poil à l'extérieur. Bah, déjà, je trouve que c'est beaucoup plus joli que le calendrier des postes. Le calendrier des postes, c'est extraordinaire parce que tous les ans, ils te l'amènent. Tous les ans, c'est des mochetés monstrueuses. T'as, tu sais, une vue de la montagne, t'as deux chatons dans un panier. Et le pire, c'est que t'es là. Lequel je prends, lequel je prends. Ils sont tous sur moi. Le moins moche. Mais c'est vrai, vous verrez. Le plus traditionnel et le plus kitsch des calendriers des postes est quand même... plus révolutionnaire que ça. Oh. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, tu fais? Ça, il est évident. Maintenant, on monte des culs. Pour un oui, pour un non. Mais non, mais là, c'est pas des culs, là. Non, non, mais c'est une image. C'est pas une personne réelle, le Père Noël, quand même. Moi, je travaille avec des images. Mais justement, les enfants, ils sont pas bêtes, quand même. Ils m'ont bien dit, on voit bien que c'est pas le vrai Père Noël. C'est pour rire. Ah, ça va, alors. Que le vrai Père Noël, il est habillé. Ben oui. Évidemment. Il donne du bonbon et tout ça. Tandis que là, c'est pour s'amuser, c'est tout. Moi, ce qui me dérange, c'est un cadeau de Noël comme un autre, un Père Noël à poil qui passe par ta cheminée. Il y a longtemps que vous l'avez fait ramoner. Oh non, c'est vous qui avez fait perdu. Oh non, Lolo.
Stéphane. Moi, monsieur, je suis très gêné parce que je vous trouve sympathique. En plus, vous venez du Jura. J'adore le Jura. Vous faites censurer, donc je ne peux avoir que de la sympathie pour vous. Vous avez choqué quelques gens. C'est extraordinaire. Mais graphiquement, je trouve pas ça très joli, quoi. Alors, donc, vous savez pourquoi? Parce que ça me fait penser au truc qu'on nous obligeait à faire pour la fête des pères ou la fête des mères à l'école. Ça me fait, je vous jure, ça me fait penser exactement à ça. Donc, je le trouve pas très beau, mais c'est pas grave, je l'offrirai à ma belle-sœur. Non, mais vous auriez pu faire pire, je vous conseille de faire ça l'année prochaine, c'est la crèche. Non, mais j'ai déjà fait, j'étais avec Sorcier aussi à la crèche. Ah, oui. J'ai déjà fait, la oui. crèche nudiste. Ah, vous l'avez déjà fait? Mais c'était interdit parce qu'on voyait les seins de la Sainte Vierge. Mais vous n'êtes pas de ça, la Sainte Vierge. Ah, vous seriez pas un poil obsédé quand même. Mais non. Ah, il s'appelle J'aime bien la vie, c'est tout. Jean-Luc. Au début, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait autant de peine que quand Daniel Gilbert a posé pour lui. Je me suis dit, est-ce que ça va si mal? Est-ce qu'il n'arrive plus à nourrir les rennes? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis très, oui, c'est ça. Je suis très prude. Donc déjà, rien que le petit Jésus, je vais mettre un anorak, moi, dans la crèche. Un anorak. Péri, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce qui me dérange surtout dans toute cette histoire, c'est qu'il a collé le Père Noël à tous les mois de l'année. Or, il ne vient qu'en décembre. Ah, ça, c'est juste. Bravo. Et c'est ça qui m'en voilà. Bravo. Il aurait fallu que vous mettiez, je sais pas moi, par exemple, Mathilde Amay à poil au mois de mai, Claire Avril au mois d'avril, voilà. Le général Janvier à poil au mois de janvier, voilà. Et ainsi de suite, vous comprenez, Tom Novembre. Ainsi de suite, t'as plus d'exemple. Et Tom Novembre, il te dit quoi, Tom Novembre, hein? Philippe Doute, Blasi. Oh. Pour le mois d'août, vous voyez que j'ai des exemples. Doc gynéco à poil pour le mois de juin. Bon, là, il y a des trucs à trouver. Ah, si vous insistez. Bon, rien d'autre à ajouter. Moi, s'il y avait quelque chose à changer sur cette photo, je changerais. C'est la mairie? Je changerais plutôt la mairie. La mairie est vraiment moche, mais les dessins sont beaux. Ben oui, moi, je sais où on va placer le Louvre 3, en tout cas. À Villers-Farlay, dans le Jura. Voilà. Alors, bon, merci, monsieur Gojo. Bon retour chez vous. Vous l'avez peut-être lu récemment dans un dossier du Nouvel Observateur. Excellent. Les nègres, ce sont des écrivains qui se cassent la tête à écrire des livres pour les autres et qui disparaissent discrètement une fois l'ouvrage terminé. Les nègres existent depuis toujours. On prétend par exemple que Molière aurait fait écrire ses plus grandes œuvres par Corneille, et puis d'autres même avant Molière. Des personnalités du showbiz, des hommes politiques ou encore des sportifs ont évidemment couramment recours à des auteurs cachés pour écrire leurs livres. Ils travaillent cachés, ils n'ont ni droit à la reconnaissance, ni à la gloire. C'est d'ailleurs pour ça que les nègres ont souvent le blues. Thierry Marquet, toujours haut en couleur, a testé pour nous se faire engager comme nègre de personnalité dans le monde de l'édition. Regardez cette caméra cachée, signée Julien Héron. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé me faire engager comme nègre d'écrivain. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, point final. Monsieur Film, bonjour. Je me présente, je suis Thierry Mercadier. Et je voulais savoir si ça vous intéressait que j'écrive une biographie sur vous. Non, a priori pas. Pourquoi pas? Non, parce qu'il est trop tôt, attendons. Ah non, il est pas trop tôt. Sinon, j'ai pas mal de romans en stock. Mais c'est ce que je fais, J'ai des poèmes, j'ai plein de choses qui pourraient peut-être vous faire vendre encore plus de livres que d'habitude. Non, c'est vrai. J'en suis sûr. Monsieur Morandini, ouais. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis Thierry Mercadier. J'écris souvent des bouquins pour les autres. Ouais. Vous n'avez jamais eu l'idée d'écrire un nouveau livre après le Val de Tokyo? Je suis en train d'en faire un. Vous en faites un deuxième, ouais. Là? Vous faites aider par quelqu'un? Non. Non. Je peux vous laisser une carte ou... Non, mais ça ne m'intéresse pas parce que j'écris tout seul, je suis journaliste, donc j'écris tout seul. Madame Massenet, bonjour, je suis Thierry Mercadier, enchanté. Bonjour. Je ne sais pas si vous connaissez mon nom. En fait, j'écris souvent des livres pour les autres. Je voulais savoir si ça vous intéressait de faire un livre sur vous. Moi, pour le faire moi, non, je suis pas. On m'a déjà proposé, mais je suis pas. Non, c'est pas. Le faire vous, c'est-à-dire ne pas écrire. Oui, écrire ou ne pas écrire ou faire écrire. D'accord. Avec quelqu'un, mais d'accord. Sur le principe, ça me. Parce que ce serait moi qui l'écrirais pour vous. Ah oui, et que je mette mon nom. Oui, voilà. Non, j'ai trop de respect pour la littérature pour faire ça. Bah oui, enfin bon, moi ça me fait travailler. Ah quoi. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord, mais non, franchement. Franchement. C'est pas mon truc. Je ne prends pas de nègre. Un minimum d'intégrité quand même. Vous n'avez pas honte de faire ça? C'est pas bien. Ben non, parce que moi je suis pas assez connu pour sortir mes bouquins tout seul. Pourquoi? Donc vous n'êtes pas assez connu? Parce que je suis pas assez connu. Ben faites un effort pour être connu. Non mais je n'y arrive vous pas. Vous n'allez pas être net toute votre vie, écrivez sous votre nom. Mais écoutez, moi je pourrais vous trouver d'autres clients en revanche. Non parce qu'en fait. Attendez, je peux vous trouver des gens qui n'ont pas le temps d'écrire leur livre et qui ont besoin de le faire écrire par d'autres. Ça je peux qui, le faire. Par exemple. Chez les politiques, il y en a plein. Ils ont tous des nègres. Donc vous avez l'embarras du choix. Il y a 470 députés et il y en a pas un qui sait écrire.
Vous l'avez lu, évidemment, ce dossier, Pierre Bénichoux, dans bien le Nouvel Obs. Bien sûr, oui, oui, oui. J'ai vous n'avez jamais été nègre pour qui que ce soit, vous? Si. Ah. Si, mais le sens même du fait d'être nègre, c'est de ne pas le révéler. Mais on peut le dire quand même que tu as été le nègre de Enid Beaton, la personne qui écrit oui. Tous les oui-oui. On peut le dire quand même. Vous, Christine, c'était... Je n'ai pas été nègre et je ne les ai pas testés non plus. Parce que j'ai testé les nègres. Voilà. Ça faisait, voilà, c'est tout. C'est bien fait, bravo. Voilà. Bravo Stéphane. Depuis le temps que j'en c'est mérité. Bon, alors, cela dit, j'ai une jolie histoire. Dites-moi. On voit un peu votre sein, là, si c'est. Voilà. Ah, mais... c'est ça que tu voulais, espèce de détraquer. Mais vas-y, poursuis. Bon, alors, je vous explique. J'ai un copain qui a pris un nègre pour écrire donc, son bouquin. Et le nègre a plagié. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ou bien tu dis, j'avais un nègre et c'est lui, ou tu fermes ta gueule et tu passes pour un plagiaire. Donc il faut être sûr d'avoir un nègre honnête. Donc prenez un bon nègre et pas... Mon Dieu. Je pense qu'on va dire auteur caché jusqu'à la fin de cette émission, ça va éviter. Non, mais attendez, je vais vous dire, il m'a éclaboussé. Moi, je trouve ça révoltant. Non, je trouve ça révoltant. J'essaye de t'éclabousser de mon esprit, mais je t'ai renversé mon verre sur la tête, c'est pas pareil. Je trouve ça révoltant qu'on emploie ce mot de nègre. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça... Je déteste... Je déteste les... Pas les nègres. S'il vous plaît, applaudissez-la. Applaudissez-la, voilà. Comme ça, c'est fait. Bravo. Non, mais comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Ce terme, et je voudrais qu'on le change, je sais pas, par... Tout à fait. Par un autre mot, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est un mot très joli, au contraire. Tu aimes, toi, les nègres? Je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça montre bien à quel point le langage est chargé d'histoire. Mais dégueulasse. Mais non, ça veut dire que depuis toujours, et c'est bien qu'on s'en rappelle en France, les Noirs ont bâti ce pays. Ils travaillent dans l'ombre, ils la ramènent pas, et grâce à eux, des gens réussissent dans la vie. Absolument, bravo. C'est exactement ça que ça rappelle. On va continuer à parler de ce sujet avec quelqu'un qui vient de publier Libertad chez Grasset. Il a été lui-même un auteur caché pendant plus de 10 ans. Je vous demande d'accueillir sur notre plateau Dan Franck. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu heureusement des succès avec vos propres livres, mais vous avez aussi pendant une dizaine d'années à peu près. J'ai été blanc pendant une dizaine d'années. Voilà, alors, auteur caché, moi j'aime bien ce oui, terme. Oui, c'est très bien. Auteur caché, c'est très bien. Vous avez été auteur caché pour alors, combien de personnes à peu près? Une cinquantaine. Une cinquantaine de je regarde s'il y en a parmi vous. Vous êtes déjà mais retrouvé. Je dirais rien. Parce que j'ai lu que certaines personnalités avaient eux-mêmes écrit des bouquins pour d'autres et s'étaient retrouvées parfois sur des plateaux de télévision. Est-ce que vous allez me dire si ça vous est arrivé? C'est-à-dire pour faire la promo de votre propre livre et d'avoir en face de vous un auteur qui faisait la promo de son livre qui en fait était un livre que vous aviez écrit aussi. Oui, ça m'est arrivé une fois. C'est drôle. Oui. C'est quand même extraordinaire. Et c'était génial. Je ne dis pas qui c'est, bien entendu, puisqu'on a dit que c'était la morale élémentaire de ce travail. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé sur un plateau de télévision avec un type pour qui j'avais écrit le livre et qui le défendait comme étant la chair de sa chair, son enfance, son adolescence. Enfin, il rêvait d'écrire depuis toujours. Et c'est quelque chose d'absolument formidable, mais en même temps d'assez normal. Car au fond, le principe de la négritude, c'est d'être jeté à un moment. Donc quand vous commencez à écrire un livre avec quelqu'un, c'est d'abord votre livre, dit l'autre, et ensuite c'est notre livre. Et après, celui qui signe dit c'est mon livre et il vous jette. Et il oublie parfois que vous êtes présent sur un plateau de télévision. Ce que je voudrais signaler, c'est que ce mot « nègre » et la fonction de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait à un moment, ce n'est pas uniquement dans l'écriture, ça existe aussi en architecture. On appelle encore aujourd'hui les personnes qui travaillent en agence d'architecture, qui n'ont pas leur nom sur les projets, qui ne signent pas les projets, des nègres. Ça, c'est rentré dans l'usage. Mais ça, c'est dégueulasse. Alors c'est nul, dans l'édition, je suis d'accord. Dans l'édition, on s'en fout. Je veux dire, moi, je m'en fous. On se fiche de savoir, on sait très bien que telle ou telle star n'écrit pas ses livres, donc ce absolument, qui compte, voilà. C'est que ce soit bien fait. Votre livre de Rick Azaray, vous auriez bien aimé le signer. Pourquoi vous dites que j'ai écrit le livre de Rick Azaray? On nous dit ça, on nous dit que vous avez été nègre de Rick Azaray. C'est un bruit. Mais c'était quoi le bouquin sur les plantes et tout ça? C'est vous le bain de siège. Je l'ai pas lu. Non, mais même si vous ne pouvez pas donner le nom de vos clients, est-ce que quand même des fois,
quand vous écrivez une bio pour quelqu'un, est-ce qu'on vous demande d'embellir un petit peu la vie, de rajouter des anecdotes, des choses qui n'ont parfois, pas... Parfois, il m'est arrivé d'écrire des livres pour des gens qui n'avaient absolument rien à dire. J'ai eu un chanteur comme ça un jour qui me dit je dois faire 2 tomes. D'abord mon enfance et puis ensuite l'âge adulte. C'était, j'ai dit non, on peut faire 2 tomes de 5 pages, 2 tracts. Non, on peut pas. Alors évidemment dans ces cas-là, il faut, on rame. Ça vous est arrivé d'avoir plus de succès en tant que nègre qu'en tant que Dan Frank? Ah oui, absolument. Ah bah Rika Zaraï. Absolument. Non mais c'est vrai. On le sait. Vous avez écrit pour Rika Zaraï. Il écrit vachement bien. On reconnaît son style. Je peux vous dire les livres qu'on m'a attribués sans que je les ai faits. Ça, en revanche, c'est public, je peux le dire. On m'a prêté Zidane et c'était vrai. Je peux le dire, je l'ai signé. et j'ai dit oui, mais je croyais que c'était comme nègre. Et quand je l'ai vu, j'étais très fasciné quand même, parce que je lui ai dit, mais je connais rien au foot. Pourquoi me choisir moi? À quoi il m'a répondu, mais tu crois que j'ai déjà lu des livres? Et je me suis dit que c'était formidable. C'était formidable. Ça vous arrive aussi parfois, on vous demande d'écrire un livre pour quelqu'un, puis de vous apercevoir que cette personne, bah, finalement, elle a un talent, un brin de plume, qui peut-être elle aurait pu écrire son bouquin elle-même. Dans ce cas, je l'engage pour écrire mes propres livres. Vous savez que beaucoup d'académiciens, des gens qui entrent à l'Académie française qui n'ont jamais écrit, et on leur dit, vous savez, c'est le moment de faire un livre. Ils disent quoi? Et ils partent à la recherche, non pas d'un nègre au sens habituel du terme, c'est pas d'un bon faiseur, c'est d'un étudiant, en général, qui est là et qui peut leur écrire un ouvrage vraiment chiant de 250 pages sur Mazarin ou sur machin, et ils ont ce bouquin, ils le publient, et à ce moment-là, ils entrent la tête haute à l'Académie française. Il y a un académicien sur 4 ou 5 à ce genre d'histoire. Mais Giscard avait, pardon, non, lui, il avait écrit ses livres. Lui, il avait écrit ses livres, hélas. Jean-Luc? Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a quand même une déontologie chez les nègres? Parce que, en tout cas, il a été dit dans les journaux que vous, vous acceptiez des fois des livres, que vous sous-traitiez auprès de copains nègres à vous. Est-ce non, ce n'est pas exactement ça. C'est une fois, avec un de mes amis qui était un très grand nègre, d'ailleurs, un très grand journaliste, il travaillait dans votre journal, je vous donnerai le nom hors antenne, et un jour, il avait un livre à faire, ça le gonflait absolument. Moi, j'en avais un à faire, ça me gonflait aussi. On a changé. Personne ne l'a su. C'était un livre en plus pour quelqu'un qui était un ministre, quelqu'un d'assez connu. Et la personne, en lisant le livre, a dit « Mais c'est absolument pas supportable, je n'ai jamais dit ça, ce livre est mauvais, l'éditeur était catastrophé. » Il a dit « On va essayer de trouver une sommité qui va pouvoir juger et arbitrer. » Et j'ai donné le nom de cet homme qui avait donc écrit ce livre-là, et le livre a été publié. Les politiques, eux, en règle générale, ils n'écrivent pas beaucoup. En tout cas, s'ils écrivent, je me demande où ils trouvent le temps. Plutôt que de dénoncer ceux qui n'écrivent pas, citez-moi les noms des politiques actuels dont on est sûr qu'ils écrivent eux-mêmes leurs bouquins. Je ne sais pas. Philippe Séguin. Un an. Philippe Séguin. Il a le temps. Nicolas Sarkozy, il a écrit quelques bouquins. Il a le temps? C'est une question, là. François Bayrou a écrit. Il a le temps, c'est une exclamation, là. Jack Lang a écrit beaucoup. Ah, sûrement. Laurent Fabius, c'est qu'à rattraper, ça vaut. Non, j'ai écrit pour aucun des deux, aucun de ceux-là, aucun de ceux-là. J'ai dit des deux, ça veut dire que... Est-ce que vous appliquez, quand vous êtes le nègre, autant que quand vous appliquez pour vous? Oui, mais c'est pas du tout la même démarche. Vous êtes un nègre honnête. Ah oui, non, c'est pas du tout la même démarche, c'est un truc de schizophrène. Moi, j'écrivais, enfin maintenant j'écris... bien écrit. Ah oui, c'est une règle absolue. Je trouve que quand on publie, on doit bien écrire. Ah bah voilà. Ça dépend, parce qu'il faut aussi que ça ressemble un peu quand même au style de la personne. Non, il n'y a pas de style, vous êtes adapté à l'information qu'on vous donne. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours piégé, dans tous les livres que j'ai écrits, il y a toujours une référence à un de mes propres livres. Voilà. Ah. C'est un jeu, comme ça, c'est juste... c'est amusant. C'est juste un jour comme ça, pour rigoler un peu. Quoi. Isabelle Motreau. Moi, j'ai du mal à penser qu'on renonce totalement à un investissement sentimental ou quand on écrit. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, vraiment, vous n'avez aucune amertume quand vous donnez le bouquin terminé? Au contraire, c'est doux, il prend les sous. C'est bon. Je le prends avant, en général, l'argent. Il prend l'argent, si le bouquin est un bide, c'est pas grave pour lui. Mais parce que vous vous investissez vraiment quand vous écrivez. Mais c'est beaucoup de travail, quand même. C'est un temps de travail réel. J'ai du mal à penser... Non, mais c'est un travail d'artisanat. Quand on écrit pour soi, c'est un travail d'artiste. Et quand on écrit pour les autres, c'est un travail d'artisanat. Et il y a une différence. La différence entre les deux, finalement, elle est assez simple. C'est Soulage m'avait donné cette définition formelle. Il me dit la différence entre un artiste et un artisan, c'est qu'un artiste et un artisan savent tous les deux où ils vont. Là, c'est le livre. Mais que l'artiste ne sait pas par quel chemin il va passer, alors que l'artisan le sait. Donc construire un livre pour un autre, c'est assez mathématique. Il faut juste que ce soit construit, bien écrit. On sait écrire puisqu'on publie. Et après, ça va. Il n'y a pas d'imaginaire là-dedans.
Jean-Luc, Je voulais juste te dire aussi qu'il n'y a pas que dans l'édition, il y a aussi à la télé. On peut le dire maintenant, c'est moi qui ai écrit, enfin qui ai écrit les plus grandes phrases de Christine Bravo. C'est moi qui avais écrit notamment Epaco et mon kiki. À la ferme, on m'a proposé 2 millions. Et il est beau mec l'invité, j'en ferai bien mon 4 heures. Je vous demander de rejoindre si c'est possible le Péri Cochin. Mais c'est un plaisir. Puisque nous allons recevoir sur ce plateau quelqu'un qui va témoigner aussi sur cette affaire des auteurs cachés. Elle est écrivaine elle-même, elle s'appelle Brigitte, elle a 29 ans. Brigitte. Merci de venir témoigner au milieu de notre débat. Je crois que vous êtes écrivain vous-même. Hein. Quoi ? Ben oui, t'es jalouse. Alors, ouais, exact. Donc, Brigitte, 29 ans et quelques, hein, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que je suis écrivaine en devenir. Ah. Pourquoi ? Parce qu'à ma demande générale, en fait, j'ai décidé d'écrire mes mémoires biographiques de ma vie. Et pour ça, alors je suis nette, claire et formelle, j'ai refusé de prendre un nègre. Ah, c'est bien. Ouais, malgré que tout le monde me l'ont conseillé. non, moi j'estime que j'ai pas besoin. Je veux dire, je sais très bien conjuguer l'orthographe. Oui. Hein, j'ai joué au Scrabble à plusieurs reprises avec Monsieur Bénichou, j'ai besoin de personne. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, je préfère l'écrire toute seule, quitte à en payer le prix. Qui se situera autour des 20 euros à peu près. Hein, ce que j'attendais, c'était le prix du bouquin. Oui, c'est bien vu. Enfin, quand même, vous savez qu'il y a des personnalités qui ne se cachent pas, on en a parlé, d'avoir recours à un nègre. Ah, mais ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Mais de toute façon, on ne peut jamais savoir le vrai du faux. Pourquoi ? Parce que les livres, c'est tapé à la machine. Donc on ne peut pas savoir qui l'a écrit, je veux dire. Non, mais on ne peut pas reconnaître l'écriture. Ça peut être n'importe qui. Oui, hein? C'est pour ça qu'elle est tricherie. Mais exactement, il y a des abus sociaux. Alors, vous, comment vous procédez pour travailler? Alors moi, au niveau de mes mémoires, vu que j'en ai pas beaucoup, je note tout sur un dictaphone. Ah. Voilà. Et comme il me faut beaucoup de matière, c'est vrai, et comme je suis quand même jeune au niveau de mon âge, je me dépêche de vivre un max de trucs. Et des fois, quand j'ai plus rien à raconter, par exemple, quand j'ai l'angoisse de la page noire, hein, comme on dit, et ben là, alors là, je descends dans la rue pour, ouais. Et puis pour qu'il m'arrive quelque chose. Donc je bouscule quelqu'un comme ça. Oui, et je vois qu'est-ce qui m'arrive. Voilà. Et là, vous l'écrivez après. Et je l'écris, par exemple, si je vous bouscule. D'accord, et après, vous l'écrivez. Voilà, j'écrirai, hein, Laurent. Mais il va y avoir autre chose que des anecdotes dans votre livre. Ah, bien sûr, ouais, je vais mettre, je vais mettre au moins une maxime par jour. C'est important. Par exemple, sois toi-même. des choses qui aident à vivre. Ou, sois toi-même, ou, mais non, si tu me ressembles, sois moi-même. Des trucs comme ça. Et puis sinon. Elle est bien, celle-là. Sinon, je vais mélanger les styles. Ah. Ouais. Par exemple, je vais écrire en italique, des fois en gras. Et, non, mais c'est un truc à savoir, monsieur, par exemple. Oui, oui, je suis d'accord. Hein, c'est très important. C'est bien, pour pas que les gens s'ennuient. Et puis... caractère 12, 18, 16... Ouais, c'est ça, la taille, on peut changer aussi. Arial, centurine. Ouais, on comprend pas. Et... Bref, et puis quand ça sera bien important, je mettrai en majuscule pour bien que ça se voie. Ah, est-ce que vous avez quand même pensé déjà au titre? Parce que c'est important, le titre d'un bouquin. Ah, le titre, c'est très important. J'ai commencé par ça. Ah, oui. J'ai commencé pour gagner du temps à faire le titre. J'ai numéroté les pages aussi. pour gagner du temps. Après aussi, j'ai mis la ponctuation. C'est bien. Comme ça, j'ai plus qu'à remplir dans la ponctuation. Mais le titre, vous avez trouvé le titre? Ah oui, le titre, ça sera Mémoire d'une future femme de footballeur. C'est joli. Et pour le reste, je vais vous dire, je me base sur une philosophie idéaliste fondée sur une certaine conception de la raison universelle. Mais pour ça, il faudrait une refonte complète de la doctrine du jugement. Ah, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Bravo. Merci. Florence Foresti. Vous l'avez vu, mais comme ça, dame France. Non, pas encore, mais... Il y a du boulot, là. Je vais la contacter. Celui-ci, c'est vraiment lui, hein, qui... il paraît, en tout cas. C'est le moins bon, d'ailleurs, de tous ceux. C'est chez Grasset, Libertad, signé Dan Franck. Merci d'être venu nous parler. Merci à vous. Nous allons maintenant accueillir
celle que les Français adorent. Dès qu'il y a un film où elle est à l'affiche, il marche. Faut bien le dire, que ce soit Un air de famille, Le dîner de cons, Chaos, La dilettante, 7 ans de mariage, plus récemment avec Didier Bourdon, et encore plus récemment Vipère au point. Le dernier film est là, signé Philippe de Broca, dans lequel elle interprétait Folcoche. Elle, vous l'avez reconnue, c'est Catherine Fraud. Ce soir, elle vient nous présenter un nouveau film, Les Sœurs Fâchées, un film d'Alexandra Leclerc avec, entre autres, Isabelle Huppert et François Berléand. Ce film sortira le 22 décembre prochain. Je crois qu'il faut vraiment retenir la date, car on en parle déjà beaucoup. Le bouche à oreille est très très bon autour de ce film Les Sœurs Fâchées. Et ça ne m'étonne pas, car il sait faire à chaque fois le bon choix. Voici Catherine Fraud. Alors, Pierre Bénichou, qui a été un des premiers à l'avoir vu, m'a dit « Oh, faut absolument inviter quelqu'un du film, parce que c'est un film formidable, un film génial, ça va faire un malheur, ce film. » Vous êtes enthousiaste. Ah oui, j'ai trouvé ce film formidable, parce que c'est un film extraordinairement gai et extraordinairement émouvant en même temps. C'est le drame de deux filles qui ne s'aiment pas parce qu'elles ont eu une mauvaise mère. Bon, et alors, elles vivent dans la haine de leur mère, mais maintenant, où la mode, c'est de tout mettre sur le dos de la mère, je trouve que c'est formidable parce que cette mère, on la voit pas, c'est juste une idée comme ça. Et c'est marrant d'un bout à l'autre et émouvant terriblement, quoi. On a envie de vous prendre dans ses bras et de contre la méchante qui est, qui est Isabelle Huppert, qui est formidable aussi. Oui. Mais c'est vrai, on se dit comment elle se laisse faire. Si j'étais là, ça se passerait pas comme ça. Les sœurs fâchées, vous l'avez compris, sont deux sœurs. Catherine Fraud d'un côté, Isabelle Huppert de l'autre. La parisienne, on va dire ça comme ça, oui. C'est Isabelle Huppert. La provinciale qui vient du Mans, qui est comme Stevie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est esthéticienne au Mans. Mmh. C'est vous, comme Catherine Fraud. Quoi? Comme Stevie. Comme Stevie. et d'un seul coup, elle monte à Paris, donc, voir sa sœur. Oui, voilà. Mais alors, elles sont tellement différentes qu'on se demande comment elles peuvent être sœurs. Oui. Hein, c'est frappant. Dans la vie, parfois, on rencontre des frères et des sœurs qui n'ont rien à voir alors qu'ils ont eu la même éducation. C'est assez troublant. Regardons tout de suite la bande-annonce de ce film qui sort le 22 décembre, Les Sœurs Fâchées. Je savais pas qu'il y aurait autant de monde le dimanche soir. Au Mans, le dimanche soir, c'est désert. Le samedi aussi. Tu viens danser? Ah non, merci. Allez, viens, quoi. Mais arrête, je te dis. Oh, mon merde. Ah, ça, j'adore. Ça, je peux pas résister, j'y vais. Écoute, tu peux faire un effort et te tenir normalement. Parce que là, c'est pas possible. Tu me fais honte. Cette espèce de décontraction. Le 22 décembre sur vos écrans, Les Sœurs Fâchées. C'est un premier film, hein, il faut quand même le dire. Alexandra Leclerc signe là son premier long métrage. Je trouve que vous faites des excellents choix à chaque fois qu'on vous voit à l'affiche d'un film. C'est une réussite sur les critiques, j'en sais rien, mais en tout cas sur le public. Vous êtes à l'affiche d'un film, c'est un carton, quoi. Et même Philippe de Broca, qui a réalisé ce dernier film, Vipère au point, ça a été un gros succès, Vipère au point, avec vous dans le rôle de Folcoche. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est vous qui choisissez? Est-ce que vous avez un bon agent? Je me demande comment ça se passe. Bah, c'est un ensemble, si vous voulez. Un film, c'est un ensemble, il faut sentir les personnes avec qui on va travailler, il faut que l'écriture soit bonne, il faut qu'il y ait une jubilation et que ça puisse se partager avec le public. Ça, c'est quand même... pour moi, ça compte beaucoup. Je crois qu'Isabelle Motreau a vu le film, elle aussi. Ah oui, ça, c'est un plaisir de tous les instants. Moi, j'ai beaucoup aimé la composition d'actrices que fait Catherine Fraud et Isabelle Huppert. Et j'aime beaucoup ce personnage que vous créez là. Quand on vous a vu dans Folcoche, juste un peu avant, c'est l'opposé. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est saisissant de vous voir deux fois comme ça. Bon, alors, c'est votre métier d'actrice. Mais quand même, à chaque fois, on ne peut pas faire autrement que de saluer l'artiste. Je pense que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ce rôle, non? Je dirais que toute la première partie du film, la notion burlesque, ça m'attire. Oui, ça, terrible, c'est, ça m'attire drôle. Terriblement. Et puis, petit à petit, on va rentrer dans des choses plus profondes. Mais au début, c'est un peu de la comédie à l'italienne. C'est très dessiné, c'est fantasque. C'est un peu comme si Christine Bravo débarquait chez sa sœur Péricochin après. Non, c'est un peu ça, je vois. Non, mais c'est l'opposition des genres. Hein. C'est genre pas complètement. Elle est folle, alliée. Oui, Péri. C'est vrai. Non, c'est faut pas... Donc, pas plus, elles sont méchantes toutes les deux. Va les dire, tu
J'allais dire justement que là, dans le film, il y a vraiment le positif et le négatif. Il y en a une qui est terriblement méchante et l'autre qui est terriblement gentille, qui est bonne et tout, mais un peu gourdasse, mais pas vraiment, dans le fond. Vous êtes gourdasse. C'est pas pareil. Une bêtasse, c'est une idiote. Une gourdasse, elle est un peu empotée, ouais. Quoi. C'est tout. Elle a pas les codes. Elle est un peu coincée aux entournures. Elle est mal à l'aise, mais c'est quand même bécassine. Parce qu'elle a pas les codes. C'est bécassine à Paris au début. Hein. Voilà. Mais oui, mais parce qu'elle a pas les codes parisiens. Mais je suis sûre que dans sa ville, elle passe très très bien et ça se passe plutôt. Non, limite trop, elle est même. Oui. Le chapeau, tout ça. Mais c'est formidable quand même. Mais justement, là, on voit une photo extraite d'une scène qui est très particulière parce qu'il n'y a aucun mot échangé dans cette scène. Ouais. Les deux sœurs sont à l'opéra et écoutent toutes les deux donc le même morceau de musique, évidemment. Et il n'y a aucun mot échangé et la relation des deux est évidente et surtout la façon d'écouter, c'est difficile de jouer une façon d'écouter. Il faut quand même dire qu'elle est évidente aussi. C'est une part d'autobiographie, je crois, dans cette histoire qu'a réalisée Alexandra Leclerc. Elle a elle-même, je crois, on peut le dire, puisqu'elle le raconte dans les interviews, elle a elle-même une sœur, je crois même qu'elle, je ne sais pas si elle la revoit depuis, mais avec laquelle il y a une sorte de non-communication depuis plusieurs années. Elle assume, en tout cas, dans le dossier de presse et elle le dit qu'effectivement, c'est très autobiographique. Moi, Elle est laquelle des deux? La gourdasse ou la méchante, Alexandra? Elle dit qu'elle est les deux. Elle dit que c'est deux visages d'une même femme, en fait, et qui sont extrapolés, c'est ce que vous avez dit. Voilà. C'est de la fiction, donc elle... Ça n'a rien à voir, j'imagine, avec les personnages, mais l'une et l'autre, Isabelle Huppert, la vraie Isabelle Huppert, et vous, Catherine Froh, la vraie Catherine Froh, vous aviez deux façons différentes de travailler. Oui, de se préparer, en fait, un peu. Alors, mais ça, c'est compliqué, comment ça s'est passé? Non, mais j'étais étonnée. C'est vrai qu'Isabelle avait l'air de préférer les premiers jets, quelque chose de plus spontané que moi, alors que dans la vie, elle est plus cérébrale que moi. C'était curieux. Moi, j'avais besoin de trouver mes marques. Ça doit venir du théâtre. J'avais besoin de me placer, trouver mes trucs. Et elle, il fallait que ça parte. Mais voilà. Vous êtes une besogneuse? Vous êtes... Je me pense... Une gourdasse. Une gourdasse besogneuse. Moi, j'ajouterais, même si je peux me permettre, et faire encore des compliments, mais à chaque fois que vous venez, je vous en fais, mais je vous aime tellement. Mais c'est pour ça que je suis si contente de revenir. Mais c'est vrai, je dirais même qu'il y a un truc formidable avec vous, c'est qu'on vous fait jouer dans ce film-là, et c'est arrivé dans d'autres films, souvent des gens simples, modestes, et que vous les faites aimer, ces gens-là. Ce qui est, hélas, est de moins en moins fréquent dans le cinéma d'aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de films, je viens de voir Narco, par exemple, ou même Le Dernier Châtillaise, ou même parfois Les Deschiens, où j'ai l'impression que les comédiens qui jouent les personnages qui sont des Français moyens, des messieurs tout le monde, eh bien, ont parfois une sorte de regard et de mépris vis-à-vis du personnage qu'ils interprètent. Et ça, moi, je trouve ça choquant parce que je viens de ce milieu-là et quand je vois ça, je suis très gêné, j'ai l'impression d'un regard parisien sur la France moyenne. Et vous, quand vous jouez ces personnages-là, eh bien, non. Vous, on vous aime quand vous les jouez et vous faites aimer le personnage que vous interprétez. Et ça, c'est un plus, je trouve. Mais en plus, c'est des personnages souvent qui s'en prennent plein la gueule, c'est-à-dire qui sont les victimes de beaucoup de gens. Donc, à un moment, faut y mettre une humanité, quoi. Jean-Luc. Non, le film est formidable, très belle complicité. Un seul petit reproche quand même, trop court. 1 minute 30, je trouvais ça un petit peu limite. Quoi? Mais j'ai vu quand même que vous aviez tourné la suite, parce qu'il y a eu le film, après il y a eu une pub, après il y a eu un deuxième film sur les sœurs fâchées. Ma copine m'a dit que c'était des bandes annonces, mais ma copine n'est pas très futée. Donc, vous en avez tourné combien exactement? Parce que moi, j'ai vu plein de films de 1 minute 30. Oui, c'est vrai que là, on a vu une bande-annonce, mais il y en a plusieurs. Vous parlez de ce qu'on appelle les extraits qui passent et tout ça? J'ai rien compris. Donc, vous voulez dire que ma copine avait raison et c'est moi l'idiot? D'accord, ça fait plaisir. J'imagine avoir compris, Jean-Luc a remarqué, parce qu'il va fréquemment dans les salles obscures, qu'il y a plusieurs bandes-annonces qui passent dans les salles de cinéma, alors que souvent c'est la même. Là, il y a plusieurs petites bandes-annonces qui ont été... Ah non, mais c'est le nouveau système, c'est pas la bande-annonce. C'est des teasers. Ça s'appelle comme ça. Christine, bravo. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller au cinéma pour voir Catherine Froh, puisqu'on est voisines. C'est pas vrai. Elle n'a pas de bol. Il faut que ça tombe sur vous. Non, mais le jour où j'ai emménagé, je vous ai croisé en bas. Vous n'auriez pas dû prendre la part. Vous n'avez pas renoncé. Ah, je me suis dit... ce qui est très rigolo avec Catherine, c'est que c'est vrai qu'on se voit toujours, mais pas maquillée. Alors, on se voit, on est grise, tu vois.
Je pense que c'est un beau compliment, là, t'es bien parti. Ça avait bien commencé cette émission. J'adore le « on ». Il y a deux films déjà qui sont en préparation, car vous avez beaucoup tourné l'année passée. Eh bien, cette année, d'habitude, je tourne un film par an, et là, j'ai pas pu refuser les quatre films. On vous verra dans Boudu de Gérard Jugnot avec Depardieu et Jean-Paul Rouve, ça, ce sera au mois de mars, normalement, à peu près. Et puis aussi dans Mon petit doigt m'a dit, là, vous retrouvez Pascal Thomas, qui va faire le succès de La dilettante, ouais. Et ce sera avec André Dussolier. J'ai lu que c'était une adaptation d'Agatha Christie, c'est ça? Voilà, voilà. Ça, alors c'est curieux. Oh, oui, c'est curieux, mais ça lui va bien. Bon. Il y a quelque chose de désuet dans l'univers, d'un peu poétique qui lui va très bien. Les Sœurs fâchées, c'est ça l'actualité de Catherine Fraud, et c'est important, ça sort le 22 décembre. Restez avec nous encore quelques instants, parce que l'actualité du cinéma, c'est d'autres films, et c'est signé Isabelle Motreau. Ah mais oui. Et là, il s'agit de réagir. C'est dans la contemplation de Catherine Fraud. Réagir à quelques affiches. Et alors, première affiche d'un film, Ocean 12. Alors, c'est une suite. On va se décaler un peu, Stéphane. J'ose à peine donner la liste des stars qui sont à l'affiche de ce film. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Julia Roberts, bon, j'en passe. Est-ce que ça vous donne envie, ne serait-ce que sur l'affiche, comme ça? Oui. Oui, Perry? Ah oui, complètement. Et la panoplie... des acteurs, je la sens très très dynamique, ça doit dépoter. Pierre Bénichou. Non, parce que je vois rien. Je reconnais pas les acteurs. C'est vrai. C'est fait exprès. Le titre, Océan, je vois pas pourquoi ça va, et le nom est écrit trop petit, donc je vois pas. S'il y a une affiche qui me donne pas envie de voir un film, c'est bien ça. Jean-Luc. Je vais faire comme les acteurs, je vais faire la queue pour y aller. Oui, parce que manifestement, ils font la queue. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, bah forcément qu'on va aller le voir parce qu'on a beaucoup aimé le premier. Mais vous savez, en anglais, la suite, on appelle ça « sequel ». Et en fait, on pourrait traduire par « séquel ». Parce que là, en l'occurrence, c'est les séquelles du succès. Il y a plus de décors. Merci Stéphane. Merci pour madame. Madame, pardon, excusez-moi, madame. Madame a pris l'affiche, madame. Je suis désolé. Bon, alors, je reste... Alors, je disais, donc, ils sont plus. Alors, il y en a 12 au lieu de 11. Il y a plusieurs décors, parce que ça se passe en Europe. Il y a plusieurs hold-up aussi. Et il y a plusieurs scénarios. Et on sent que c'est un peu pour se faire un peu plus de dollars aussi qu'il y a une suite. Moi, on passe à une famille à louer, ou famille alors, à louer, là, avec Ben Affleck, James Gandolfini. Je ne sais pas si vous voulez réagir à l'affiche. Ça vous tente, l'affiche, là? Bof moyen. Bof moyen. Un peu trop Noël, paquet cadeau, je ne sais pas. Perry. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu gros lourd et j'ai pas du tout envie. Pierre? Eh bien, je trouve ça charmant. je trouve ça, c'est gros. Et puis même sans la voir, en entendant ce concert de conneries, je trouve que c'est très bien, cette affiche, voilà. Isabelle Motreau, non, Stéphane d'abord. Non, mais ça a l'air bien, parce que famille à louer, moi, des fois, j'aimerais vendre la mienne. Ça, Isabelle, qu'est-ce que ça vaut? Ben c'est un marronnier de Noël. C'est pas un sapin de Noël, c'est un marronnier de Noël. C'est le film sur l'esprit de Noël que font les Américains tous les ans. Ça n'a aucun intérêt. C'est une grosse comédie bien lourde, comme disait Perry. Oui, franchement, il y a tellement... Il s'en cache pas. Hein. Voilà, il y a des comédies françaises, pour le coup, réussies. En ce moment, il faut y aller, il faut éviter ça. Une dernière affiche, et là, c'est une adaptation d'une pièce qui a été un énorme succès à Paris, un petit jeu sans conséquence. Hélas, comme souvent au cinéma, on ne retrouve pas à l'affiche du film les comédiens qui ont fait le succès de la pièce au théâtre, mais c'est souvent le cas, vous le savez, Catherine Fraud. Quand même, il y a de beaux noms sur l'affiche. Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Lionel Abelanski. Et c'est Bernard Rapp qui réalise cette adaptation d'un gros succès théâtral de la saison ou d'il y a deux ans, Un petit jeu sans conséquence. Jean-Luc? Oui, ça me donne envie, mais l'affiche, j'en ai marre. J'ai l'impression d'avoir vu 18 fois. Oui, ça ressemble à Barney, Style contrariété, les films de Jeanne Labrune. Ça ressemble à plein de choses qu'on a déjà vues. Justement, je trouve qu'elle annonce complètement la couleur. On sent tout de suite la comédie de société. Moi, ça me tente à mort, au contraire. Pierre. Justement. Ah, moi, je trouve formidable. Ouais, enfin, toi, t'es parti pris. Oh, mais alors là, vous n'êtes pas vraiment... Là, parti pris à mort. Je viens de réaliser. Il fait ça depuis le début. Il dit le contraire du tout. Là, il dit la même chose, mais c'est pour d'autres raisons, Sandrine. Parce que j'aime beaucoup Sandrine, voilà. Mais de toute façon, d'abord, elle fait des très bons choix. Et ensuite, je trouve cette affiche assez agréable, de belles couleurs, des jeunes gens qui sourient. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est Paris, monsieur. C'est Paris.
Stéphane. Elle est bien cette affiche. Ouais. Ah, moi je trouve que l'affiche est très bien justement parce qu'on l'a déjà vu mille fois. On n'est pas dépaysé. C'est la tradition française. Moi j'adore. Catherine, vous, que vous en pensez? Moi je la trouve simple et fraîche. Simple et fraîche. Isabelle, qu'est-ce qu'il en est? Moi c'est un délice. C'est vraiment un délice, cette adaptation, elle est très réussie. C'est pas si gai que ça en a l'air, parce que c'est quand même l'idée, c'est le petit jeu en question, c'est un couple qui dit qu'il va se séparer, et puis finalement, pour rire, et en fait, c'est pas drôle du tout, les réactions des gens vont pas les faire rire. C'est-à-dire, ils font une blague à leurs amis. Voilà, hein? Et finalement, la blague va se retourner un petit peu contre eux, enfin, je vous dis pas la fin, mais il y a un moment où on se demande quand la même. La pièce a été un énorme succès. Et je pense que le film va être un énorme succès aussi, parce que c'est vrai, c'est subtil, c'est drôle, c'est très réussi, vraiment. Et Jean-Paul Rouve, c'est bien aussi. Jean-Paul Rouve, c'est un acteur qu'on ne voyait pas et qu'on voit maintenant 14 fois par an. Et on dit de lui, comme de Berlian, un acteur rare. Oui, c'est vrai. Un peu comme Laurent Deutsch aussi. Hein. On peut plus faire un film sans Jean-Paul Rouve, c'est comme ça. Faites attention justement, vous, à ne pas trop tourner quand même. Oui, absolument. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut garder un petit mystère. S'il fallait choisir un des trois films, lequel vous allez voir, Catherine Fraud? J'hésiterai entre Un petit jeu sans conséquence et Ocean's 12. Bon, allez, j'essaierai le film un français. Un petit jeu sans conséquence. Ouais. Et puis vous avez prouvé, vous aussi, que le théâtre peut s'adapter au cinéma avec un air de famille et avec un dîner de cons ensuite. Donc, on espère la même chose pour Un petit jeu sans conséquence. Et on espère surtout que vous aurez un énorme succès avec Les Sœurs Fâchées qui sortent, je le rappelle, le 22 décembre prochain. Vous avez encore 3 minutes à patienter avec nous, le temps du kick à déconner. Non seulement dans notre kick à déconner ce soir, l'entraîneur de notre nageuse, l'entraîneur de Laure Manaudou, Philippe Lucas, parce qu'on lui reproche un côté gourou, on dit que peut-être il manipule un peu trop la nageuse française et que c'est lui qui l'a décidé, notre nageuse, à renoncer à aller défendre les couleurs de la France au championnat d'Europe, alors que peut-être, si elle avait eu un autre entraîneur, elle y serait allée malgré les déclarations du directeur technique national. Mais voilà, 0, 10, 20 ou 30 points pour le nouveau gourou. Zéro, parce que gourou peut-être, mais enfin, il l'a quand même amené au plus haut du podium. Absolument. Cet été. Aux Olympiques. Zéro, parce que gourou peut-être, mais il l'a quand même amené au plus haut marge du podium. Isabelle. Bah, zéro, parce que il faut être deux dans ces cas-là. Peut-être que c'est un gourou, mais enfin, elle se laisse influencer aussi quand même. Stéphane. Zéro, parce que je ne commande pas une affaire en cours, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Christine. Zéro, parce qu'un entraîneur de nageuse se doit de faire des remous. Jean-Luc. Zéro, parce qu'il gagne, et c'est vraiment bien des sportifs qui gagnent. Ça, c'est pour le PSG. Vous lui avez mis 0 points, Catherine Fraud. Oui, bon, il y a eu des très jolies phrases de dites, mais moi, c'est tout simplement parce que je ne connais pas le sujet. Bon, voilà. Vous nagez au milieu de tout ça. Je nage. Bon, bah, peut-être vous pourrez remplacer Laure Manaudou. Ça fait un total pour Philippe Lucas de 0 points. Bah, c'est voilà. Non, c'est déjà arrivé. Je vous propose un autre nom, elle n'est pas dans notre classement, elle non plus encore du kick à déconner, ce sera son entrée si vous lui attribuez des points. Il s'agit de Victoria Beckham, qui, dit-elle, songe à arrêter définitivement sa carrière de chanteuse. Nous, on pensait que c'était déjà fait, eh bien non, 0, 10, 20 ou 30 points, Perry. Oui, je pensais que c'était déjà fait, et en plus, franchement, on s'en fout complètement. Jean-Luc. Zéro. Ah, il vous est surpris. Ah là. Oui, mais d'un seul coup. Ah là, j'aime bien une feinte à droite, une feinte à gauche. Et zéro, parce que je trouve que c'est bien qu'elle se consacre à sa carrière de cocu. C'est méchant. C'est méchant, ça. Ou en Espagne. Stéphane. Moi, je lui mets 30 points parce que c'est pas du tout mon type de femme. Mon type de femme, c'est Catherine Fraud. Moi, zéro, parce que je pense qu'elle aurait dû arrêter avant et que c'est bien qu'elle y pense maintenant. Pierre Bénichou. Moi, j'y mets 30 parce qu'elle n'a pas à dire qu'elle arrête sa carrière de chanteuse alors qu'elle fait chanter son mari depuis si longtemps. Christine. 30. Elle chantait, pourvu qu'elle ne danse pas maintenant. Non, mais attendez, faut que je montre quelque chose et à la caméra. Demandez à Christine d'arrêter de préparer. Dites-moi, vous changez de trottoir quand vous la croisez dans le quartier. Mais arrête,
l'époque de La Fontaine, c'était drôle. Je montre juste que c'est préparé en plus. Okay, ouais, comme ça, on le sait. Combien vous lui mettez, vous, à Victoria Beckham, Catherine Fro? Bah, moi, c'est pareil, je la connais pas, cette dame. Alors, pourquoi pas? Pourquoi je la condamnerais? Ah bon, bah, alors comment les on fait? Les Spice Girls. Tu connais pas les Spice Girls? Vous connaissiez pas les Spice Girls? Ah si, ah mais je savais pas. Bah, vous. Et c'est la femme de David Beckham, le footballeur. Ah d'accord. Voilà, qui l'a fait cocu. Oh, le méchant. Ça fait un total pour Victoria Beckham de 120 points. Catherine Fro avec Isabelle Huppert et François Berléand, entre autres, hein, parce que quand même, on pourrait citer quelques autres comédiens du film. Michel Villermoz, par exemple, Brigitte Catillon, Christiane Millet-Rose, Thierry, pas tous les cités, mais en tout cas, voilà, il y a un beau casting pour ce film réalisé par Alexandra Leclerc. C'est son premier film, ça sort le 22 décembre. Ça s'appelle, vous l'aurez retenu, Les Sœurs Fâchées. Merci Catherine Fro. Merci beaucoup. Au revoir.